De la Team Shape, j'espère que vous allez bien, c'est Team Shape et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui, la Team Shape, nous allons voir comment faire un beau muscle up. Ce mouvement que beaucoup de personnes veulent savoir faire, mais qui demande quand même un petit peu de travail. Mais vous allez y arriver, j'en suis certain. Dans cette vidéo, je vais donc vous donner toutes mes astuces et techniques pour que vous puissiez vous aussi y arriver. Vous êtes prêts? C'est parti! Première étape, ça va être l'échauffement. Parce que oui, faire un muscle up alors qu'on s'est pas échauffé, c'est le meilleur moyen de se blesser et de se péter l'épaule. Donc vous allez prendre un élastique Team Shape bien sûr hein. Et vous allez commencer à faire des rotations comme ça, voilà, devant, derrière. Vous allez faire celui-ci, l'épaule de droite, l'épaule de gauche. On prend son temps, il faut pas bâcler l'échauffement. Épaule de derrière, voilà. Vous faites un petit circuit 3 fois. La Team Shape, pour faire simple, un muscle up, qu'est-ce que c'est? Un muscle up, c'est un mélange d'une traction puis d'un dips. Une traction et un dips. Suivant le sport que vous pratiquez, les muscle ups seront différents. Si vous faites du street workout, vous n'aurez pas le droit de faire un balancier. Et si vous faites du crossfit, vous aurez le droit de faire un mouvement de balancier, ce qu'on appelle le keeping. Parce que souvent, quand on fait un entraînement, on fait plusieurs muscle ups à la suite. Aujourd'hui, nous allons voir la version la plus accessible à tous. Vous l'aurez compris, avant de pouvoir maîtriser un muscle up, il faut maîtriser les tractions. Et si ce n'est pas le cas pour vous, je vous invite à regarder une vidéo que j'ai tournée il y a pas longtemps où je vous montre comment faire une traction. Première étape pour maîtriser un muscle up, vous prenez soit une barre qui est plus basse, comme ça vos pieds vont toucher le sol, soit vous mettez une box ou une chaise. Et vous allez vous entraîner tout simplement à passer par-dessus la barre en donnant une impulsion avec vos pieds. Yeah! Voilà! Ça va commencer à vous renforcer les triceps et ça va vous aider aussi à vaincre votre appréhension de la hauteur. Super, oh là putain, j'ai failli péter la gueule. Faites attention à vous. Deuxième exercice pour vous aider à vous renforcer vos triceps. Vous vous aidez de la boîte, toujours pour sauter. Vous sautez, et là, vous essayez de descendre doucement. Vous contrôlez la descente, votre corps vous amène vers le bas. Et vous luttez, vous luttez, vous luttez. Et vous retombez sur la boîte. Et là, vous contrôlez, voilà. Vos triceps sont sollicités à fond. Et si vous avez du mal du coup à faire les muscle up, on va prendre l'astuce des élastiques. Notre bon vieux élastique Team Shape qui fait plaisir. On va le mettre au-dessus de la barre. Il va nous permettre de nous délester un petit peu. En gros, bah qu'on pèse moins lourd quoi. Parce qu'on a un peu abusé pendant les fêtes de Noël. Vous allez mettre les deux pieds à l'intérieur. Faut juste pas que je me le prenne dans les couilles élastique. Vous allez vous entraîner à faire ça. Voilà. Si un élastique c'est pas suffisant, vous en mettez un deuxième. Cet exercice là va vous renforcer le dos et les épaules pour qu'ensuite vous puissiez passer dessus la barre. Quand vous vous entraînez au muscle up, pensez à bien vous reposer car ça demande beaucoup beaucoup d'énergie. Et voilà. Et comme je vous le disais tout à l'heure, je vous invite fortement à regarder ma vidéo sur les tractions avant de passer au muscle up. Ça va beaucoup beaucoup vous aider. Une fois que vous serez en haut, paf! Ce qui va rentrer en jeu, c'est la dips. En gros, c'est vos triceps qui vont pousser la barre. Vous devrez donc maîtriser les dips. Les dips, ça se travaille comme ceci. Vous descendez, vous contrôlez et vous remontez. Vous marquez un temps d'arrêt en haut. Vous descendez, vous remontez. C'est comme ça que vous allez travailler vos dips. Donc, première étape, attraper la barre. Allez, hop, le plus loin possible. Hop, le plus haut possible. Hop. Vous attrapez la barre et hop, vous envoyez. Hop, vous descendez et hop. Et après, quand vous maîtriserez bien les muscle up, vous pouvez en enchaîner plus à la suite. Après, plus vous entraînerez, plus vos muscle up seront jolis. Et voilà Team Shape, c'était un plaisir de vous faire cette vidéo. Comme je vous le disais, si vous voulez commander mes élastiques, le lien est dans la description. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma tête juste là. Nouvelle vidéo tous les jours. Et regardez une autre vidéo entraînement pour progresser en cliquant ici. Et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Bouh!